tous amis de Saint-Nicolas, la confrérie de Saint-Nicolas est heureuse de vous accueillir pour procéder à l'inauguration du sentier des Trois Clairiots. Jean-François Trichler va vous présenter le sentier. Je vais vous dire l'origine de cette idée, vous présenter le sentier et vous dire les espérances que nous formulons autour de ce sentier. L'idée, c'est un long cheminement. Comme vous le savez, la confrérie de Saint-Nicolas a largement élargi ses horizons depuis quelques années. Elle a repris contact avec Saint-Nicolas de Port. Elle a découvert cette magnifique basilique. Et tous les ans, elle se rend à la procession du cire de Réchicourt. Une petite mission bien délicate, c'est de remercier les différentes personnalités qui nous ont donné l'occasion de créer ce chemin que nous inaugurons aujourd'hui. La vie est un chemin. Pour nos pères, elle était un pèlerinage. De nos premiers pas jusqu'à la mort, nous avançons. Le chemin de la vie est une incroyable richesse et il a un sens. Puis aujourd'hui, c'est le moment important d'inaugurer ce chemin des Trois Clairiots, ce sentier. Important puisqu'il s'inscrit effectivement dans une démarche beaucoup plus large, très ambitieuse, d'avoir ce grand chemin, ce grand pèlerinage du nord de l'Europe vers Paris, pour marquer l'image et la trace qu'a laissé Saint-Nicolas sur notre histoire séculaire, l'histoire de contemporaine pour certains, beaucoup plus historique pour d'autres, et puis la marque de vouloir rassembler ces communes, le tour autour de lui.